Le gaming est sa passion, bienvenue chez Keke Spy Knight. Viens relâcher la pression, plein de jeux y compris Fortnite. Lâche au pouce bleu ton GG, abonne-toi à suivre son parcours. Membre de la team MPG, en live quasi tous les jours, V de Strime. Salut la team, c'est Keke. Aujourd'hui on se retrouve pour toute nouvelle vidéo pour l'épisode 21 de Pokémon Violet et V, comme vous pouvez le voir. Ça y est, les fêtes sont finies. J'ai tout enlevé, mes décorations de Noël derrière moi dans ma chambre. Tout redevenu à la normale. Ça fait plaisir, ça fait plus propre. Enfin, ça, je dis pas que ça faisait dégueulasse, au contraire, c'était beau les décorations de Noël. C'est toujours beau les décorations de Noël. Mais voilà, une fois que les fêtes sont finies, faut enlever, comme on dit, toute une chose a une fin. Donc voilà, c'est parti. On y va pour la suite de Pokémon Violet. On y va, let's go. Hop là. Donc, on en était que. Le dernier épisode, j'avais pas réussi à battre le championnat d'arène de type normal. Il est un peu compliqué à battre celui-là, hein. Il nous donne du fil à retordre. Hein. Il nous donne vraiment du fil à retordre celui-là. Il donne du fil à retordre. Soit lui 32, 33. Elle n'empêche. Dans l'évolution, j'ai vu le niveau 35 si je ne m'abuse. 35, 36, on est dire comme ça. Donc lui 33, 34, 35. Dans deux niveaux. Du niveau ou trois niveaux, il évolue. C'est sûr. Et lui 32, 33, 34, 35. Ouais, 3-4 niveaux, il évolue. Oui, un petit peu de temps, mais voilà. Lui, il faut que je vois. Je crois qu'il faut lui donner quelque chose pour qu'il évolue. Il est niveau 26. Je crois qu'il faut lui donner quelque chose pour qu'il évolue. Mais quoi, je sais plus. Faudra que je regarde sur Pokébip. Briochin, lui. J'ai fini d'évoluer. 31. Après Pikachu, si on voulait le faire évoluer, bien sûr, c'est Pierre Foudre. Et lui, on va le garder en mode Pikachu. Et si on veut avoir Raichu, on capturera d'autres Pikachu ou on fera évoluer Pikachu. Parce que je crois que je dois en capturer d'autres Pikachu, je crois. Ça va évoluer Pikachu en Pikachu et après Pikachu, Raichu, quoi. Parce que c'était au tout début que j'ai capturé des Pikachu. Alors, on va aller voir ça. Alors attendez, là j'ai un Pikachu ici. Normalement je dois en avoir un deuxième ici. Ouais, c'est ça. Alors j'ai deux Pikachu, là niveau 8 et surtout deux niveau 8. Donc voilà, il faut les Pikachu, Pikachu, il y a beaucoup d'amitié. Il y a beaucoup énormément d'amitié. Donc voilà. Je vais avoir Raichu dans ce cas-là, je suis Pikachu, Pikachu, Raichu. Hein. Et que ce Pikachu-là que j'ai eu par Change Miracle, et bah voilà, je laisse un Pikachu. C'est pas un souci. Donc voilà quoi. Bon. Bon, on va essayer de combattre le champion d'arène. Hein. Pas étonnant, mais bon. Bienvenue au trésor culinaire, le restaurant attiré de l'arène de Mesclamora. Vous souhaitez-vous affronter notre champion Okuba, qu'on l'appelle aussi l'agent lambda? Oui. Dans ce cas, je vous laisse prendre place sur le terrain de combat. Monsieur Okuba, c'est à vous. Bonjour, je suis Okuba, le champion de l'arène de Mesclamora. Bravo pour ta réussite à l'examen d'arène. Et sache qu'outre
toutes les boulettes de riz grillées, les plats sont généralement assez bons. Ici, alors n'hésite pas à essayer autre chose. Cependant, je crains que ma patronne ne se fâche si nous bavardons trop longtemps. Passons donc au combat si tu veux bien. Oh mon micro. J'ai tout foutu en l'air, dites donc. Je t'en prie d'agréer, cher dresseur, l'expression de ma victoire certaine. Voilà. Vas-y doucement, tu veux, je suis encore en pleine digestion. Canon Grenman. Canon Grenman, quoi. C'est chez lui. Et il s'est endormi. Deux seuls ordos. C'est un fameux de un seul ordo. Deux seuls ordos. Chenard. Quel connard. Impossible ça. J'arriverai jamais à le battre, ton foiré. Putain, c'est pas vrai ça. Oh!
ça m'énerve. Trop casse-couille à battre lui, trop casse-couille. Il dort lui. Quel connard! Mais quel connard! C'est un connard ça! C'est un connard! Putain! Comment veux-tu gagner? C'est pas connard! Attaque en premier, bordel! Mais quel connard! Mais quel connard! Pas possible ça! C'est bon, vas-y, voilà ailleurs parce que ça me casse les couilles. Hein. Je suis sûr que ça d'aller le battre, ça me saoulait vous aussi, parce que vous allez voir toujours la même chose. Donc on y arrive, donc voilà. Voilà quoi. Ah d'accord, ouais. Mais putain de taras, colossinge là, putain. C'est belle. Allez. Qu'est-ce qu'on a foutu de l'assurance? Allez, mais allez, mais on s'en bat les couilles, ton manet de merde, allez. Putain, tout ça pour ça là. Ok. Oh. La map. Les maps. Attends, la map. Là. Ah. Il y a quoi là? Astrole. Le dominant, Fourbe Dragon, serait un Pokémon très dangereux. Il se cacherait sous une ligne. Ouais. Ah, c'est quoi là? Voilà, on a déjà été ici. Hein. Voilà, là où est-ce qu'il y a les Pokéball, voilà, ici, ça veut dire qu'on a déjà été. Ouais. J'ai jamais été. Dalfornera.
J'ai comme destination. D'aller là-bas là. On a pingé. Parce que passe avec le dominant là. Il est... Ah d'accord. Ah ouais. Wow. Ah c'est le dodo là. Action vigorote. On va traverser. Il y a un pont là-bas. Ball. Et Hop. On est là-bas. Wow. On aura Molos ici. Molos, la Gados. Non mais toi c'est déjà, depuis un moment déjà. Tiens, allez. Allez. C'est pas écoute, on tire debout là. Tout ça pour ça quoi. Ok. Là, on est sur le bon chemin. Allez, c'est l'autre. Ouais. J'ai déjà capturé. Là aussi. Moutiti. Salut Kéké, le dominant fourbe dragon devrait être quelque part dans ce lac, mais apparemment personne n'a jamais vu à quoi il ressemble. Je parie qu'il est super effrayant, mais comment on va faire pour le trouver si on sait pas de quoi il a l'air? Il va pas venir nous voir en criant je suis le dominant, faut pas rêver. Dans ce lac alors. Gros lasson ici. Oh mais y a plein. Oh y a magie, il faudrait. Ah ouais. Un morceau quoi. Relation qui nage dans l'eau. Encore que je vois une relation, il nage dans l'eau. Ah, même sur l'évolution. Ouais, c'est le glacial, ouais, ils sont bien. Oh, les gelées. Ouais, je suis. Oh. C'est une forme évoluée, ça. C'est une forme évoluée, ça. C'est une femelle. Allez. Mais allez, fils de Yin, je crois.
Ok. Oh, des tracos. Mais putain, mais encore lui là. Casse-toi toi. Putain. Casse-toi. Mais allez. Il casse les couilles. Allez, arrête de casser les burnes là. Il y a du mini traco, traco. Oh. Je suis dessus, mais j'arrive pas à l'avoir. Wesh. Ok. Quoi? C'est qui lui? Sushi? Wesh. Oh. Impossible de prendre la fuite. Quoi, impossible de prendre la fuite. Ça lui a rien fait. Les niveaux. Oh putain, mais vas-y. Oh.
corps Pokémon nous dominant. Non, je vois aucun gros Pokémon dominant. Mais. Bah, pourquoi j'arrive pas à prendre la boule là? Eh, c'est quoi le délire hein? Je sais pas. Moi ça me saoule. Ça me saoule sérieusement encore. On peut aller voir escalade. Hein.
Ok, là il y a une cascade. Ok. Ça commence à me saouler, moi, tout ça. De fou. Ça me fait l'impression que j'avance pas. Tout me saoule en fait là-dedans. C'est une femelle. Je sais pas si je dois continuer là tout droit ou quoi. Je passe par là pour aller dans la nouvelle ville. Là y'a rien. Oh, il y a un... Oh, mais je l'ai pas. Riolu, je l'ai dans Écarlate, mais pas dans Violet. Alors, si c'est un mâle... Si c'est une femelle, c'est mort. Ça, c'est un mâle. Ouais. Nice. On l'a échappé, Belle. Attends, on doit le capturer. Mmh.
Une case éclair hein, pour réaliser. Il n'y a pas. Le soleil, non, c'est mort. Le soleil, voilà, il va être mort. Donc, voilà. Non. C'est pas beau, là. Mérès, Fayolou. Un coup critique, donc tant mieux. Là, comme ça, on l'a dans le gelé aussi. Alors, ça dit quoi sur Yolo? Hop, ça dit il possède la faculté unique de visualiser les émotions telles que la joie ou la colère sous forme d'ondes. Non. Dans le PC. Nice. Et quel niveau, Rilou? Niveau 16. Non. On a réuni dans violet. Ça, j'ai eu dans Ekrat aussi. Ekrat, sachez que mon réuni a évolué en Lucario. C'est là Lucario, donc ça c'est cool. Ok. Le rose on l'a déjà. L'orange on l'a déjà. Il manque, c'est le vert et le blanc gris. Là. Il manque encore deux. Et ça, c'est Tarsal. Est-ce qu'on en a déjà deux? Tarsal femelle. On a déjà Tarsal femelle déjà. On a déjà Tarsal femelle. Donc ce serait bien si là on aurait un Tarsal mâle, ce serait cool. On va voir si c'est un Tarsal mâle. Non. On va voir. Hein. Thank you.
tout ça, ça fait un mal. Ouais, c'est pas moche. Oula, là, bien déglingué. Comment il est psy, mais comme il est sous mode comme ça, mode très sable, il est devenu qui est plus. Hop. Il faut espérer que ça soit un mal. Ça dit quoi déjà sur lui? Très sensible aux émotions des êtres humains et des Pokémon, il se cache au moins au moindre signe d'hostilité. Ok. Non, c'est un mal. Ouais, c'est un mal. Nice. Allez, let's go. Let's go, let's go. On va le déplacer du coup. Doudou ici. Et comme ça, on a mâle et femelle. Une femelle pour garder le voir et mâle pour Galam. Voilà. Tout simplement. Et le mâle est en mode cristal. C'est cool. C'est cool tout ça. Il y a eu Réolou, là, il y a pas ça le mal depuis son camp. Il y a mal. What? Sinistre pieu de couleur noire est planté dans le sol. Pouvez-vous l'extraire? Le pieu s'est complètement désintégré quand vous l'avez extrait. Poisson bobole. Voilà. Ah ouais.
un craco. De la ville. Ok. La ville est dans la grotte ou ça se passe comment? Oh non! Non, allez! Putain. Oh! Allez! Ça m'énerve! Ça m'énerve là! Putain!
sortir là-dedans quand même. Et là, la ville elle est dans la grotte, ça se passe comment? La ville, je vais la sortir là où... Là où je suis déjà passé. Là où je suis arrivé. Ouais. Ok. Tout se tourne en rond pour autre chose. Là. Ok. Ok. Bon. Quoi, on va se regarder là. Et je regarderai un petit tout s'il faut sur YouTube pour savoir comment trouver la ville. La ville qu'il faut. Parce que là, j'ai l'impression que la ville est carrément dans la grotte ou une autre côté, mais j'ai l'impression de tourner en rond là-dedans. Donc, bah voilà. Voilà, voilà. Ah, c'est bien une dernière fois. Hop là. Hop là. Bon. La team. Allez. Bon. Voilà pour cet épisode 21. On dit un épisode. Bon, bah voilà. On a essayé de battre le champion du type arène. Le type normal. On a pas réussi encore. Voilà, il nous met toujours des bâtons dans les roues. Bon, on a capturé Riolu, on a capturé un Tarsal mâle, un cristal. Donc, c'est cool. Et ben là, on essaie de nous diriger vers une nouvelle ville pour faire une autre arène. En attendant de revenir pour le type normal. Et puis, voilà quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire pour qu'on entraîne nos Pokémon pour qu'ils deviennent plus forts. Pour qu'on puisse après battre le type normal. Puis, ben, on essaie de trouver le Pokémon dominant. On sait pas où il est non plus. Donc, voilà. Alors, on n'a pas fait grand chose. Mais bon. Si cet épisode vous a plu, quand même, n'hésitez pas à commenter, liker, partager à fond la vidéo. De nouveau, n'oubliez pas d'aller sur la chaîne pour que vous pouvez vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes bienvenus. On vise les 500 abonnés. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, surtout, parce que surtout, personnalisez aucune. Vous me cliquez sur tout. Comme ça, c'est pas mal de notifs. Et notifs que vous connaissez pas si ça sur la chaîne. Et puis voilà, ça permet de ne plus rien louper. Pour ceux qui avaient l'habitude de me voir stream sur YouTube par le passé, sur Twitch, maintenant les streams ça se passe, je suis en stream tous les jours sur Twitch. Donc n'hésitez pas, dans la description des vidéos et dans ma propre chaîne YouTube, il y a le lien de ma chaîne Twitch. Et puis à cliquer dessus, ça vous montre tout droit ma chaîne Twitch. Et dès que vous arrivez à ma page d'accueil de ma chaîne Twitch, si vous n'êtes pas fou, il y a plus qu'à cliquer sur le bouton suivre. Et dès que vous êtes follow, il n'y a plus qu'à tourner une notif de moi. Et dès que vous tournez une notif de moi, il n'y a plus qu'à faire un petit coucou. Et ça ferait énormément plaisir. Vous me verrez en stream comme avant sur Twitch. Et je me sers de ma chaîne YouTube plus pour les vidéos. Donc je sors les vidéos le mercredi, samedi, lundi. Et puis voilà, pour ça, sur des Pokémon. Et puis à part passer d'autres vidéos. Et puis voilà. En description des vidéos et dans ma propre chaîne YouTube, il n'y a pas de ma chaîne Twitch que vous pouvez retrouver. Il y aura aussi mon Twitter, mon Insta, mon Facebook, mon Snap, mon TikTok. Et pour ceux qui commencent à avoir 15 ans ou plus, le Discord. Et puis bah, voilà, quoi, sur TikTok, il y a plein de vidéos, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et c'est bien qu'un jour, si je joue des stations, il faut le garder comme ça, c'est que je peux débloquer les streams, faire des streams IRL ou des streams de jeu, ce serait pas mal aussi. Voilà, en plus de Twitch et voilà quoi. Les réseaux ils sont sur ma chaîne Twitch qu'on fait la petite commande du bot en exclamation Y pour mon YouTube, exclamation R pour mes autres réseaux sociaux, exclamation D pour le Discord et exclamation Epic pour ceux qui veulent jouer avec mon Fortnite. Comme ça affiche l'Epic de mon chat. Vous m'ajoutez et je vous accepte. Et puis voilà tout simplement. Et mes réseaux se trouvent aussi dans ma bio, ma chaîne Twitch, quand vous arrivez sur ma page, vous voyez la description de ma chaîne Twitch, juste en dessous, il y a mes réseaux. Donc, voilà, mes réseaux, c'est partout. Vous pouvez me trouver facilement, me contacter facilement. Ils sont sur ma chaîne Twitch, ma chaîne YouTube, voilà. Donc, vraiment,
de partout. Sur ce, la team, je crois que je te dis. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. C'était Kéké pour l'épisode 21 de Pokémon Violet. On se retrouvera bien sûr pour l'épisode 22. Merci à team. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tchuss.